Sur un spectacle d'improvisation, le fait de travailler sans filet, on ne sait absolument pas ce qu'on va faire. On va construire ensemble avec une équipe qu'on connaît quasiment pas et on va proposer un spectacle ensemble. Donc c'est vrai que ça crée un stress. Double nœud très important. Prêt. Improviser, un sacré travail, artistique et sportif. C'est un match d'impro, demi-temps de 45 minutes, mise en jambes et en bouche, indispensable pour l'esprit d'équipe. Choco, chocolat, la, choco, chocoté, té, chocolat, chocoté, chocolaté. Avant le duel, les retrouvailles entre adversaires et amis. Tel de preux chevalier, nous défendrons. Les Québécois de la Ligue nationale d'improvisation enfin de retour pour une tournée de 15 dates dans 13 villes, dont Saint-Apollinaire et Besançon. La première tournée qu'on a annulée en 2020, à 3 jours du départ, on allait partir, puis on savait même pas en fait comment ça allait dégénérer. On a organisé celle de 2021 qui a été annulée. Et je vous dirais qu'il y a un mois et demi, si vous m'aviez dit qu'on serait ici aujourd'hui, je ne vous aurais pas cru. Je vais m'échauffer et ensuite, je vais faire un peu de méditation. 15 secondes. Je pense qu'on a tous des façons un peu différentes de réagir. Ah! Voilà. D'intérioriser ou pas. Il y en a qui sont très nerveux avant, d'autres qui sont très calmes, mais à l'intérieur, ça bouillonne. Cette affiche France-Québec a permis de remplir une nouvelle fois la salle au programme des improvisations sur toutes sortes de thèmes volontairement déconnectés de l'actualité, joués par les deux équipes ensemble, d'autres comparés, annoncés et supervisés par des arbitres incorruptibles. Improvisation mixte. Il y a pour thème pour le meilleur et pour le pire. Durée 8 minutes. Eh bien voilà, je prends mon courage à deux mains. Et je vais être à la hauteur. Ah merde, allez Thierry. Je vais ouvrir. Ah, c'est Diego, le professeur de yoga, il a oublié mon tapis. Oh, oh Diego. Oh, Diego. Diego, on se revoit toujours lundi soir. Ouais. Et moi c'est mardi matin après piscine. Absolument. Diego, vous n'avez pas goûté le petit bourgogne que j'ai rentré la semaine dernière. Ça va pour une autre fois. Diego, on s'appelle ce soir. Comment ça se passe? Ça va bien? Ça va bien, ça va bien? Ouais. Très très bien. Ça roule bien, le public est chaud. Belle équipe du Québec? Ouais. Ouais, c'est super. Les concurrences, ça répond. Ça fait plaisir de jouer avec. Auriez-vous des soucis de tuyaux? Voulez-vous que je vous porte plus haut? Oh non, mon ami, mais je dois bien avouer que je dois resserrer. Une vis en moi est en train de couler. Difficulté supplémentaire improvisée en rime. Ah, des problèmes de valve. Je serai votre calme. Et quand le Québec fait le show, c'est aussi en jouant sur son accent, en exagérant, oh, très légèrement. C'est un scutuel, c'est un scutuel. C'est sûr, mais c'est important de savoir que ça a des enfants de temps et long, mais... C'est toujours agréable de voir justement l'espèce de différence entre les deux langues, hein, finalement, le français et le français. Après 14 épreuves, le Québec l'emporte, mais la principale victoire est bien celle du rire. On pense plus à plein de choses pas forcément très agréables qui se passent en ce moment, entre les pandémies, les guerres. C'est la première fois que je viens et c'était génial, super. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vécu ça, mon Dieu, le Québec, quel bonheur. Salut. C'est ça que j'allais dire.